pour vous poser une seule question. Est-ce que vous pensez que la guerre à l'est du Congo finira, va prendre fin un jour? C'est la question que je me suis toujours posée. Et surtout que dans mon pays, c'est lui où on n'a pas la liberté d'élever la voix pour réclamer le droit de l'homme. Et c'est lui qui ose lever sa voix. Et en tant qu'artiste, ma voix est très mal comprise chez moi, dans mon pays. Alors j'aimerais ensemble que nous puissions réfléchir là-dessus. Est-ce qu'un jour, les femmes retrouveront leur paix? Est-ce que la violence va cesser quand même à l'est de la RDC? C'est ça. Je vous interprète un mot qui s'appelle Le regard d'une femme avec Tamara, dont j'invite ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Soki olingi koyeba ye Pusana pembeni na ye Tuna ye motuna koyebisa yo Makambo ya bombi Katina ntima na ye Le regard d'une femme Toujours significatif Les messages à travers son visage, tu chercheras la campagne que celui qui la blanche. Y'en n'a pas besoin d'être menacé, privé de liberté pour dire ce qu'elle pense. Y'en n'a pas besoin de subir certains actes. Pourront causer la souffrance dans un cœur et toute autre forme de violence de gravité comparable. Le regard d'une femme, toujours significatif, elle annonce les messages à travers son visage. Il cherchera la compagne que celui qui l'approche. Juste elle a le droit de dire à haute voix, briser le silence coupable de certaines violences qu'elle a subies pendant la guerre et au sein de paix, l'état de paix. Le regard d'une femme, toujours significatif, elle annonce des messages qui à travers son visage. Le regard d'une femme.
Monique Tendai. Thank you.